stretch up and yawn and turn on my song and walk in my calling. All in, I'm falling, the awesome opus. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver droit dans la pente. Et oui, je fais l'été au mois de juillet comme un bon nombre de milliers de cyclotouristes pendant le Tour de France. J'affronte les cols mythiques de l'Hexagone. Et là, je suis sur l'ascension terrible de l'Alpe d'Huez. Pourquoi ? Bah, j'ai rendez-vous tout là-haut pour les championnats de France de VTT 2019. Et j'ai rendez-vous également avec notre consultant de luxe, Julien Absalon. Salut Pierre-Etienne. Ça va Julien ? Bienvenue à l'Alpe d'Huez. Ah, merci. Tu es presque en haut, mais je crois qu'il va falloir que tu changes de vélo parce que ce week-end, c'est championnat de France VTT avec un gros programme. On va commencer par le cross-country olympique, ensuite le cross-country éliminator, le trial et la descente. Avec toi comme consultant. Avec plaisir. Eh bien, c'est parti. Eh bien, le plaisir, allez, c'est d'aller jusqu'en haut. Dans un premier temps. Plus de trois lacets. Bon, rendez-vous là-haut, Pierre-Etienne. C'est pas vrai. On l'a fait. L'été, t'as transpiré un peu? Un petit peu, oui. On y est, Alpe d'Huez. Allez, place au VTT maintenant, c'est parti pour le sommaire. Un programme alléchant avec du XCO du cross-country olympique, du XCE du cross-country éliminator, ensuite on prend de la hauteur avec le trial, et on termine vers le bas avec la descente, des images à couper le souffle. Ah, je crois que j'ai crevé. Je suis vraiment une pompe à vélo. Place au XCO, le cross-country, ton épreuve de prédilection, Julien. Et là, la course aux Jeux Olympiques de Tokyo a d'ores et déjà débuté. Et de gros enjeux, puisque l'objectif pour les Français est d'amener le maximum de compétiteurs au départ des Jeux Olympiques. Les quotas maximum sont de 3 hommes et 2 femmes. Ça serait bien d'avoir les 5 places pour les Français. Et ensuite, l'enjeu forcément pour chaque pilote français est d'y aller. Donc les minima en France sont un top 3 en Coupe du Monde. Et ça passe aussi par une bonne performance au championnat de France. J'imagine qu'aller chercher le maillot, ça peut aussi marquer les esprits. On va commencer avec le résumé de la course féminine. Bah, celle qui détient le maillot actuellement, c'est Pauline Ferrand-Prévot, la grande favorite de l'épreuve féminine. Tout à fait, Pauline Ferrand-Prévot qui a subi une opération cet hiver, qui revient à son meilleur niveau. Elle a signé un top 5 la semaine dernière en Coupe du Monde. Et elle vise tout simplement ce maillot et puis également le maillot arc-en-ciel en fin de saison. Avec aussi la présence d'une championne olympique, Julie Bresset. On peut compter aussi sur une petite jeune, Loana Lecomte, et la famille Clauzel toujours présente au rendez-vous. Voilà, ce circuit qui va se jouer physiquement. Il y aura une grande montée, une descente très technique. Donc des jeunes compétitrices comme Loana Lecomte vont pouvoir mettre à profit leur qualité technique. Le résumé de la course féminine, c'est tout de suite. Et on se retrouve sur la ligne de départ avec la présentation des favorites. Celle qu'on, avec Julien, on vous avait annoncé préalablement. Julie Bresset, Hélène Clauzel, la plus jeune de la famille, et Lucie Ruti, qu'on n'avait pas forcément évoqué, Julien, et qui fait partie des candidates sérieuses à la victoire. Lucie qui fait un bon début de saison, oui, effectivement. Et le all shot. Départ très rapide avec Isormed qui fait le all shot. Ouais, coureuse très puissante et qui exprime parfaitement ses qualités en début de course. Mais oui, mais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui va s'envoler dès le départ. La natte au vent, vous l'avez bien sûr reconnu. Il s'agit de la favorite, oui, Pauline Ferrand-Prévot. Il n'a pas trop laissé de temps à ses adversaires qui part dès les premiers tours de roue. Ouais, suivi par Loana Lecomte et Julie Bresset. Julie, 4 fois titrée au championnat de France entre 2010 et 2013. Pauline quand même observe ses adversaires, notamment Loana et Julie qui sont là pas très loin derrière. Un parcours très physique, hein, un peu plus de 4 km. On voit qu'il y a quand même une autre course dans la course, c'est-à-dire que Loana Lecomte concourt également pour la catégorie moins de 23 ans. Donc il y a le classement scratch et également la catégorie pour les moins de 23 ans. Et pour avoir vu Loana avant le début de la course, elle cherchait un podium au scratch.
crois que sur ce circuit, il y a des parties un peu trialisantes comme cette portion. Il faut vraiment être très vigilante. Voilà. Et je crois qu'elle a déraillé. Petite faute technique de Julie. Terreur technique qui fait perdre de précieuses secondes. Et Loana derrière, ça se passe beaucoup mieux. Et oui, on voit Julie réparer. Ouais, perdu du temps sur, voilà, sur ce passage technique. Passer sur ce passage. La dalle, parfaitement maîtrisée. Alors c'est vrai que Pauline Julien, elle a eu une carrière un petit peu émaillée par les blessures. Elle a notamment été opérée en début d'année d'une amphibrose iliaque à la jambe gauche. Une blessure qui l'a perturbée depuis de nombreuses années, qui a été difficile à déceler, et une opération assez importante en début d'année qui l'a obligée à arrêter pendant 8 semaines complètes l'activité sportive. Et là, elle est de retour au plus haut niveau, donc ça fait plaisir de la revoir au plus haut niveau. Avec notamment une quatrième place, une cinquième place. Cinquième place la semaine dernière en Coupe du Monde au Jet. Au Jet. Après qu'une crevaison, une chute en fin de course, c'est dire si elle se rapproche du plus haut niveau. Petit la souci, partie là, trialisante qui n'était vraiment pas facile. Moi, c'était presque plus rapide de passer à pied qu'en vélo. Une descente où il était possible de perdre ou gagner beaucoup de temps. Un circuit qui était très physique en montée, donc on voit là des portions montantes très très compliquées. C'est vrai que la caméra écrase vraiment le dénivelé. On ne se rend pas compte de la montée, de la difficulté. Elle est à 3 tours de l'arrivée. Loana est en duel avec Julie Bresset pour le podium. Mais le retour de Lucie Ruti avec Perrine Clauzel qui est pas très loin. Lucie est en train de refaire son retard sur Julie Bresset. J'ai parlé de Perrine, mais c'était surtout sa sœur, Hélène Clauzel. Julie Bresset, un très beau passage sur la partie réalisante. Lucie Uruti également qui passe sans encombre. Bonne trajectoire. Passage en zone technique. Julie s'arrête. Deuxième à ce moment-là de la course qui va se faire doubler. Vous l'avez vu à l'instant, crevaison de la roue arrière, doublée par Lucie Uruti. Elle va se faire doubler également par Loana Lecomte et se retrouver en quatrième place au pied du podium. Julie Bresset qui reste tranquille, relax, et qui va devoir cravacher pour refaire son retard. Et devant. Malheureusement, roue arrière, c'est un peu long à changer. Ils ont été rapides dans zone technique, mais c'est minimum une trentaine de secondes. De perdu, donc elle doit repartir, essayer de rattraper le retard. Et surtout, ne pas crever. Il y a eu pas mal de crevaisons tout au long de ce week-end de compétition sur ce parcours. Alors, Lucie Ruti en deuxième position. Loana Lecomte, on la voit, elle est troisième. Et le retour de Julie. Et c'est vrai que sur ce parcours, on peut apercevoir les adversaires assez facilement. Le problème, c'est que ça peut faire peu en distance, mais en seconde ou en temps, ça chiffre vite parce que la moyenne horaire en montée n'est pas très, 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 très élevée du fait de la difficulté du parcours. Bon, Pauline en tête, elle a vraiment pu gérer son effort. 5 titres d'affilée de championne de France. Allez, on passe d'aller chercher son 6e. Passage parfaitement maîtrisé. Une fois de plus pour Lucie Ruti, championne de France Espoir en 2017 et en 2018. Elle est maintenant dans la catégorie Reine, les élites. Et on a bien vu, Julie Bresset est passée en troisième position, a réussi à se défaire de la jeune Loana Lecomte. Ouais, c'est ces zones artificielles, des rochers qui sont placés là, des pierriers Rock Garden, pour augmenter la difficulté technique du parcours. Julie Bresset, championne olympique à Londres, championne du monde en 2012 et 2013, ne pourra rien faire pour aller chercher la victoire puisque devant PFP à 27 ans, avec le grand sourire, la triple championne du monde en 2015 revient au plus haut niveau. Une domination sans partage avec un sixième titre de championne de France, un titre du record détenu pour l'instant par Laurence Leboucher avec 7 titres. Lucie Ruti en deuxième position. Et troisième, on l'aperçoit derrière. Troisième place pour Julie Bresset. Avec la quatrième place pour Loana Lecomte. Et juste derrière elle, Hélène Clauzel. Loana qui termine première chez les Espoirs. Et on va écouter Pauline Ferrand-Prévot. J'ai voulu essayer de partir assez vite pour creuser l'écart dès le début. Et il y a eu pas mal de crevaisons pendant les recos et les courses précédentes. Donc j'ai essayé de creuser un maximum pour pouvoir gérer si jamais j'avais un ennui mécanique. Donc ouais, je suis super contente, j'étais en plus assez bien dans la bosse. C'est vrai que l'adaptation à l'attitude c'est toujours compliqué, mais je sens que depuis hier ça va mieux. Donc voilà, je suis super contente tout simplement de remporter une nouvelle fois ce titre de championne de France.
Allez, après cette course féminine, place aux hommes, avec peut-être un athlète qui se dégage dans cette course très ouverte. L'athlète le plus régulier depuis ce début de saison, c'est Jordan Sarrou. Jordan fait un super début de saison et il vise le titre de champion de France, forcément. Mais il va faire face à des athlètes aussi très motivés. Titouan Caro qui va défendre son titre, Victor Koretsky qui est en format semaine dernière, Stéphane Tampier qui signe un top 4 en Coupe du Monde au G. Donc beaucoup de coureurs qui sont capables de monter sur des podiums internationaux. Il y aura juste un absent de marque, Maxime Marotte, qui malheureusement est malade, donc il se repose. Ouais, Batman n'est pas là, mais on pense fort à lui. Allez, le résumé de la course homme, c'est tout de suite. Ouais, Julien, si Pauline a écrasé la concurrence chez les féminines, normalement, dans la course masculine, il devrait y avoir un fight jusqu'au bout, tant le plateau est très relevé. Le plateau est relevé et équilibré. Qui pour Titouan Caro, c'est le champion de France en titre. Qui pour aller chercher le maillot? Peut-être Jordan Sarrou, l'homme le plus régulier depuis le début de saison, notamment en Coupe du Monde. Énormément de pilotes français dans le top 10 mondial. Donc le départ toujours très important en cross-country. On voit que ça part vraiment à fond au sprint. On s'en rend pas compte, mais ça monte. Et tout de suite, les favoris vont se positionner en tête de course. La Jordan en deuxième position. Dans sa roue, il y a Victor Koretsky, Titouan Caro, Stéphane Tampier qui remonte dans son style caractéristique de boost sur les pédales. Avec un très gros braquet, toujours Stéphane Tampier. En tout cas, c'est très, très compact. Pour une fois, un parcours qui permettait de dépasser assez longtemps. 89 concurrents au départ, vous voyez, une longue file. Un circuit de 4 km et 50 mètres. Donc Jordan qui imprime un train élevé sur le premier tour pour basculer en tête. Alors Jordan avec le maillot blanc des Team Absolute Absalon. Voilà, alors le maillot blanc, ça veut dire qu'il fait chaud. Voilà, le maillot blanc qui permet de mieux respirer, de mieux supporter les grosses chaleurs. Okay. Passage de la dalle, Jordan en tête. Victor Koretsky en deuxième position, Titouan Caro, Stéphane Tampier. Bon, les athlètes de l'équipe de France répondent présents à l'occasion de ce championnat de France et dès le premier tour se positionnent aux avant-postes. Et d'ailleurs, on a ralenti le rythme. On ne s'attendait pas à une course tactique et finalement on a vu une course tactique avec on voit que ça ne roule plus du tout en tête. Les favoris se neutralisent. On voit même le deuxième groupe qui est presque en train de rentrer. Avec Joshua Dubo qui va faire l'effort pour tenter de reprendre le premier groupe justement. Je pense que les 8 tours ont fait un petit peu peur parce qu'on s'attend à une course longue. Donc les favoris se neutralisent en début de course. Personne n'ose trop attaquer de suite, de peur de payer par la suite. Donc là, c'est Victor Koretsky qui prend les choses en main. On voit que Jordan Sarrou, serein, attend un petit peu. Et allez, Stéphane Tampier, vous a écouté tout à l'heure. Ça passe plus vite à pied. Alors lui, qui aime bien le trail, il en profite pour... C'est vrai que ce passage trialisant, finalement, Stéphane a trouvé la solution. En passant à pied, ça va plus vite qu'en vélo. Et puis, il coupe le virage en plus. Alors Stéphane, là, il a pris les commandes de la course. Joshua Dubois est revenu. Il est revenu avec, dans sa roue, Hugo Drechou. Et à ce moment de la course, Griotte aussi. Thomas qui suit les leaders. Il voit qu'il est un peu en difficulté, mais il arrive à être au train, votre train. Et là, il y a un groupe de 5. Un groupe de 5 qui se détache inexorablement. Victor Koretsky, Jordan Sarrou, Titouan Caro, Thomas Griotte et Stéphane Tampier ont pris les commandes de la course. Stéphane, le passage très court à pied. Victor préfère passer en vélo. Et là, Victor, il va attaquer. Le passement de Victor Koretsky dans la descente. Très à l'aise. Fin technicien, Victor. Qui vient de changer d'entraîneur. Il y a un nouvel entraîneur, un nouveau coach, Marc Collomb. La zone technique, donc très important. Zone technique et ravitaillement. Boire un petit coup. Très important. Très il faisait chaud aujourd'hui. Et Jordan qui fait l'effort pour tenter de réduire un petit peu l'écart avec Victor. Stéphane Tampier qui a du mal à répondre aux attaques. Stéphane a fait un gros début de course, il a mené pas mal en début de course, mais là il paye un petit peu les efforts. Pourtant quatrième de la dernière Coupe du Monde du côté des Gels la semaine dernière. Voilà, lui qui vient d'être tout jeune papa et dans la foulée une super performance au G avec une quatrième place. Ouais, un petit coucou à son petit Marlon. Qui est né, lui qui participait à son 11e championnat de France sans jamais avoir réussi à décrocher à Timbal le titre de champion de France. La faute à qui? Souvent à Julien Absalon. Julien, 14 titres pour toi d'affilée.
Donc là, on voit que Victor est en train de prendre le large. Il a profité d'un petit peu. Voilà. Ouais. Titouan, une petite erreur technique. C'est assez rare de voir Titouan Caro faire des erreurs techniques, lui qui est un fin technicien. Et c'est dernier tour. Dernier tour pour Victor Koretki. Quelques secondes une petite quinzaine de secondes d'avance sur Jordan Sarrou. Qui tente tout pour le tout là. Il sait qu'il lui reste une montée pour tenter de rejoindre Victor. Ils se connaissent bien tous les deux. Ils ont été champions du monde de relais en 2016 avec Pauline Ferrand-Prévot, Antoine Philippe. Et eux deux, l'un comme l'autre, sont des très bons techniciens, donc ils savent qu'en descente, ils vont pas pouvoir reprendre beaucoup l'un sur l'autre. Et l'un comme l'autre, ils n'ont jamais été titrés champions de France. Et on va pas vous cacher que Victor va assumer ce dernier tour jusqu'au bout. Il avait annoncé que c'était l'un de ses objectifs de saison, ce championnat de France. Il avait été déçu l'an dernier, un petit peu gêné dans le dernier tour visiblement. Et c'était Titouan Caro qui s'était imposé. Et Jordan aussi, lui aussi, avait crevé dans le dernier tour l'an dernier. Sur le dernier pierrier, effectivement. Grosse déception tous les deux. Là, je pense qu'à ce moment-là, Titouan a compris qu'il allait laisser son maillot de champion de France s'échapper. Et néanmoins, il doit assurer le podium et cette troisième place. Le pierrier pour terminer le boulot. Jordan avec une vingtaine de secondes de retard. C'en est terminé de ses espoirs. Et Victor a 24 ans. Premier titre pour Victor. Va aller décrocher son premier maillot. 9e à Val-Nord en Coupe du Monde. 11e au jet. 3e de la Short Race également le week-end dernier. Plaisir de revoir Victor à ce niveau-là. Lui qui a fait une très belle saison 2016, des beaux Jeux Olympiques. Et derrière, ça a été un petit peu compliqué. Et là, il revient à son meilleur niveau. Ouais, ça va faire plaisir à Bruno Parietti, son préparateur physique. Et ça va faire plaisir aussi à Léa, qui doit être en larmes à ce moment-là de la course, de voir son chéri, son amour, lever les bras et franchir la ligne d'arrivée en tête. Premier titre de champion de France pour Victor Koretki. Ça passe également pour Jordan. Deuxième, un très beau début de saison. Il espérait le titre aujourd'hui, mais bon, je pense qu'il va être satisfait de sa deuxième place parce qu'il est tombé face à un très 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 fort Victor. Ouais, champion d'Europe espoir en 2013, en 2014. Aujourd'hui, il est vice-champion de France. Ouais, finalement, il y a peu de distance, mais quelques secondes. Et Titouan Caro pour la médaille de bronze. 89 coureurs au départ, seulement 12 parviendront à parcourir les 8 tours. C'est allé tellement vite devant, avec un podium exceptionnel, Victor Koretki, Jordan Sarrou et Titouan Caro. En 4e place, on retrouve Thomas Griot qui a réussi à devancer Stéphane Templier. Et on retrouve là Léa qui va aller faire un petit bisou à son chéri. D'ailleurs, on va l'écouter. C'est vraiment dur d'aller chercher un titre parce que voilà, on est à un niveau français qui est vraiment vachement élevé. Il manquait seulement Maxime Marotte, mais voilà, fin, avec Titouan, Joe, Steph, ça roule très très fort. On est tous dans les 20 meilleurs mondiaux, donc aller chercher le titre, c'est toujours, ça joue toujours à pas grand chose. Et puis voilà, aujourd'hui ça me sourit et je suis vraiment trop fier et je vais pouvoir porter ce beau maillot pendant un an, quoi. Et le plus fort lors de ces championnats de France 2019, c'est Victor Koretki devant Jordan Sarrou. Titouan Caro prend la 3e place d'une course exceptionnelle d'intensité. Que ça va vite, oui, je vais bien sûr parler du XCE, le Cross Country Eliminator, une discipline très spectaculaire. Et à jeu-là, on a un super champion, 6 titres de champion de France d'affilée, Titouan Perrin gagné. Oui, il domine la discipline, c'est une discipline très, très intensive, moins de 2 minutes d'effort, le principe est simple, il part à 4 de front, les deux premiers sont qualifiés pour le tour suivant, les deux autres sont éliminés. Tu as déjà fait du XCE, toi? Non, jamais. Bon, écoutez, bon, pas de Julien Absalon, mais en tout cas, est-ce que Titouan Perrin gagné va aller chercher un 7e titre d'affilée? Bah, c'est tout l'enjeu de ce XCE. Et avant de parler de la course hommes, on va s'intéresser aux femmes avec la finale
avec des athlètes d'exception. Bien sûr, Colline Closure avec le maillot de championne du monde sur les épaules. C'est la grande favorite. Elle est spécialiste de XCE, Isermed, Anaïs Grimaud à ses côtés. Et Lauren Meyers du team Vosges VTT. Le départ est primordial normalement en XCE, mais pas forcément sur ce parcours qui se termine en montée, Julien. Effectivement, un parcours très, un peu particulier avec un finish en longue montée, grande ligne droite. Le départ reste primordial parce qu'il vaut mieux engager sur ses premiers virages en tête. Ensuite, on a trois Rock Garden d'affilée. Et la longue ligne droite. La championne du monde qui a pris les commandes de cette course. Donc voilà les trois perriers artificiels. Avec plusieurs traces. Et là, on va rester dans le bon passage à gauche. Très, très fluide sur ce passage. Isermed reste dans la roue. Et en troisième position pour l'instant, c'est Anaïs Grimaud du pays de Loudéac. Et un peu plus loin, Lauren Meyers. Allez, on va aborder ce virage et à partir de ce moment-là, ça monte. Alors, ça n'a pas l'air en image, mais je peux vous promettre que ça commence à faire mal aux pattes. Et petit regroupement des familles, comme on dit, avant ce petit passage technique. Vraiment sur la fin. Rien n'est joué avant la ligne d'arrivée, parce que la ligne d'arrivée est très très longue, une grande ligne droite. Alors Anaïs Grimaud, c'est le deuxième tour des qualifications. Première en quart de finale, deuxième en demi-finale, parce que c'est vrai que c'est des courses qui se courent à 4. Et les deux premières sont qualifiées pour le tour d'après. Elles sont passées tour après tour avant d'arriver dans la ligne ici. Droite en tête. Et là, il y a le regroupement. Isor dans la roue. Et on voit qu'Isor immédiatement se replace devant. Elle prend les commandes de la course. Et le retour est Lauren qui se fait doubler par Anaïs Grimaud. Isor lance le sprint vraiment très très tôt parce que la ligne droite est tout au bout de la ligne droite. La ligne d'arrivée est tout au bout. Ouais, attention, c'est très surprenant. Et Colline Closure, la championne du monde en titre qui n'arrive pas à suivre le rythme. Isermed à 19 ans, c'est son anniversaire. Isor du long, évidemment, pour aller chercher peut-être son premier titre de championne de France. Elle gagne mètre par mètre. Et le retour d'Anaïs Grimaud, qui elle aussi devance la championne du monde, Colline Closure. Isor qui a débuté le VTT à l'âge de 7 ans. Oh là là, cette jeune fille d'un couple de cyclistes va aller chercher son premier maillot tricolore au prix d'un effort. Ô combien efficace, et elle a réussi à supporter la comparaison et à devancer tout simplement la championne du monde. Un petit bisou et on l'écoute. La course était vraiment super dure et arriver à la ligne d'arrivée et lever les bras à la fin, c'est juste incroyable. C'était pas l'objectif de l'année, mais franchement, c'était dur, mais je me suis fait vraiment plaisir. Mon entraîneur, il m'a dit t'attaques dans les 50-75 derniers mètres, et quand j'ai vu que j'avais des bonnes jambes et que je pouvais y aller, j'ai dit bon allez, je tente, je monte tempo. Et quand je me suis retournée et qu'au final j'avais réussi à creuser un tout petit écart, j'en ai remis un peu et pour être sûre. Et puis après, voilà. Allez, place aux hommes avec vraiment des spécialistes en la matière. Tite Wampérin gagné, c'est le seul à avoir porté le maillot de champion de France. Il détient 5 maillots d'affilée, 6 maillots d'affilée sur le trône du XCE. Il est champion du monde en titre. À ses côtés, son coéquipier du team Focus, Hugo Briatta, deuxième au championnat du monde en 2018. Lorenzo Cers, lui aussi, il est spécialiste du XCE puisqu'il a fini troisième des derniers championnats du monde. Et là, on a un spécialiste de XCO, Joshua Dubourg. Allez, le start. Et les all shots pour le champion du monde en titre, Titouan, qui veut prendre les commandes devant son coéquipier, Hugo Briatta. Qui est quasiment imprenable au départ, hein, Titouan. Vraiment une explosivité, ouais. Incroyable. Donc il maîtrise les premiers virages. Il imprime son tempo. Une fois qu'il est en tête, plus personne ne peut le passer là sur cet enchaînement de virages. Et il est invaincu hein, depuis 2013. Parce que c'est une épreuve relativement nouvelle, hein, le XCE. C'est que 6 ans, c'est la 7e année d'existence. Passage de Pierrier sans encombre. Très très fluide.
avec les trois spécialistes de X et E en tête de la course. Donc on va s'attendre à un sprint, à une dernière ligne droite très tactique. Donc Titouan se retourne, il voit qu'il y a Hugo dans sa roue. Ouais, et Hugo Briatta, vice-champion du monde l'an passé, c'est le leader actuel de la Coupe du Monde. Il n'a pas hésité longtemps à passer. Deux victoires sur les trois premières manches de ce circuit mondial. Lui qui est plutôt spécialiste de la longue distance, préfère partir de loin. Il veut plutôt éviter le sprint court. Sur un parcours qui est visiblement l'avantage au détriment des Titouan Perrin-Gagné, mais qui va rester dans la roue jusqu'au bout pour tenter de surprendre son coéquipier. Ça va jouer entre partenaires du Team Focus. Joshua Dubois qui reprend les risques et qui attaque de loin. En tant que crosseur, lui préfère également partir de loin. L'invité surprise de cette finale prend tous les risques. Joshua Dubois qui emmène dans sa roue Hugo Briatta et Titouan Perrin-Gagné. Et là, ça s'active fort. Hugo Briatta fait parler la puissance. Mais Titouan Perrin-Gagné avec l'explosivité, est-ce qu'il va réussir à le passer? Ah là, c'est pas possible. C'est la fin du règne pour Titouan Perrin-Gagné. 6 ans sur le trône, invaincu depuis 2013. Il laisse sa place à la Manforme cette saison. Le numéro 1 mondial de la spécialité. Son coéquipier du Team Focus, Hugo Briatta. Une grosse surprise là sur ce championnat de France, Hugo Briatta qui détrône le spécialiste. Aujourd'hui c'était un parcours qui était très particulier. On avait une boucle qui était relativement longue avec une bosse très très longue comme on a peu l'habitude d'en voir. Donc alors je savais que c'était un parcours qui convenait plutôt à mes qualités. Maintenant il fallait vraiment être bon gestionnaire, essayer d'en garder le plus possible sur les phases de qualification et de poule et les poules. Donc j'ai essayé de faire au mieux et je savais que ma chance, ça aurait été de lancer le sprint le plus tôt possible pour pouvoir vraiment faire un effort très lactique et en résistance, pousser mes adversaires dans leur retranchement. Et c'est ce que j'ai fait et finalement, ça a marché. Donc voilà, après aujourd'hui, c'était un parcours assez spécial, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Donc il faudra adapter en fonction des courses. Stratégie gagnante pour Hugo Briatta, champion de France pour la toute première fois devant Titouan Perrin-Gagné et troisième place pour Joshua Dubois. Quatrième position pour Lorenzo Serre. Et le trial se conjugue également au féminin avec une athlète d'exception, Manon Basseville, vice-championne du monde l'an passé. 4 titres de championne de France d'affilée. Et cette année, elle va parvenir à aller chercher un cinquième titre. Vraiment une athlète exceptionnelle. Allez, on passe au trial avec désormais 1, 2, 3, 4, c'est bien 5 titres de championne de France pour la super Manon Basseville. Bravo Manon, comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Merci beaucoup, ça s'est très bien passé. On va pouvoir voir le maillot que je vais pouvoir endosser tout à l'heure. C'était une belle course, il a fait beau et c'était vraiment une super course. On va passer aux hommes maintenant, avec l'élimination surprise dès les qualifications de Vincent Hermans. Mais un grand favori avant la finale, c'est le numéro 1 mondial, Nicolas Vallée. Oui, effectivement, Nicolas est le grand favori cet après-midi. Surtout que un de ses principaux rivaux, qui est Vincent Hermans, s'est malheureusement fait éliminer. Les zones n'étaient pas très très compliquées en demi-finale. Il a fait une erreur vraiment très bête et sur ces zones-là, on ne peut pas faire cette faute-là. Donc c'est vraiment dommage pour lui qu'il ne puisse pas essayer d'aller récupérer ce titre.
Bon, bah, on regarde ça tout de suite, la finale homme. Et la France, meilleure nation mondiale en trial. Et à mes côtés pour commenter, notamment Aurélien Fontenoy. Mais il y a Serge Froissart, le manager France du trial. Oui, bonjour. Ben là, oui, Aurélien Fontenoy qui décide de revenir à la compétition après 3 ans de pause où il a monté sa chaîne YouTube qui fonctionne bien. Et on le voit maintenant dans la zone des rochers. Donc belle performance pour lui après une absence de 3 ans, de rentrer directement en finale championnat France avec le haut niveau français qu'il y a tout le temps. Ouais, et il va aller chercher une incroyable médaille de bronze, lui, le showman, l'influenceur, le blogueur, un véritable ambassadeur du trial, lui qui a déjà été 3 fois vice-champion du monde en élite, 3 fois champion du monde junior également. Voilà, il sort de cette zone, malheureusement à 50 points. Il prend un tout petit peu de retard sur les 2 favoris. On le revoit au ralenti sur ce crocheté. Il va poser un petit appui. Et il va être devancé notamment par Gilles Coustelier. 5 fois champion du monde, 6 fois champion d'Europe. C'est le plus grand palmarès mondial hein, du trial. Oui, en 26 pouces avec le grand vélo. Gilles toujours là. Malgré les années, il est le seul pratiquement à pouvoir inquiéter Nico dans la zone des troncs. Alors Nico, hein, c'est Nicolas Vallée qu'on verra par la suite. Voilà, le transfert bien réalisé sur ces troncs. Maintenant, il va falloir remonter pour aller chercher ses porte-à-points. C'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'avant, on perdait des points sur les erreurs. Maintenant, on va gagner des points au travers de portes et de secteurs. Et donc, ça, la conséquence de ça, c'est qu'on sait que ça va être très serré jusqu'à la fin entre ces pilotes. Ouais, une zone, 6 secteurs à franchir, 60 points, c'est le score parfait, idéal, que les athlètes sont recherchent évidemment. Gilles, c'est la précision à son paroxysme. Lui qui aimerait tant retrouver le maillot de champion de France, 7 titres. Le dernier, c'était en 2013. Et une erreur, là. Et une erreur qui va lui coûter cher. Voilà, un échec. Il a mis la roue avant à côté de la porte. Et là, ça s'arrête direct. Donc, 40 points marqués pour Gilles dans cette zone. Qui fera la différence et qui va permettre à Nicolas Vallée, ESCMO. C'était le grand favori, ben il a parfaitement assumé le statut, il est actuellement numéro 1 mondial. Oui, sur le ranking UCI, Nico est en tête, il n'a pas remporté encore le championnat du monde élite, une fois deuxième, une fois troisième, c'est son objectif cette année avec une très très bonne préparation, on le voit que physiquement il est très affûté. Alors une zone difficile pour les athlètes, là, ce qui est beaucoup dénivelé, et regardez le juge, hop, il va glisser, ben même pour les juges, hein, c'est compliqué pour vous dire qu'il y avait beaucoup de difficultés. Oui, sur cette zone. Une zone un peu à l'ancienne, en trial naturel, le terrain le permettait. Pas forcément très dur techniquement pour ces pilotes, mais par contre très longue. Il fallait être très précis dans la descente et très rapide. Fallait pas mouiller les pneus non plus. Hein. Voilà, bah ça ils savent faire, hein, ils évitent. Par contre, c'est avoir du temps pour remonter. On est à 1800 mètres. C'est une épreuve lactique dans chaque zone. Et il y a un gros passage à la fin. Donc comment arriver dans les temps avant la fin des 2 minutes? Tout en franchissement, cette remontée de cascade. Le point fermé du juge, hein. Pour l'instant, aucune erreur pour Nicolas Vallée. Voilà le public qui pousse les pilotes. Nico fait petite pause sur le passage de précision. Pas sortir du cheminement. Voilà. La rue balise. On est à ras. Il faut vraiment être précis. La roue arrière, ça passe. Avant-dernier franchissement pour les 50 points. Et il reste cette dernière porte, ce dernier secteur. Vous voyez, tout au bout de la remontée. Un énorme rocher à franchir et il l'attaque de biais. Voilà, sans élan. En plus, on profite des dernières secondes disponibles pour souffler. Et 2 minutes seulement pour aller au bout de la zone. Il crochette avec la roue avant. Poussé par le public. Il sait que c'est important avant la zone des buses. Et voilà, c'est 60 points pour Nicolas. Score parfait dans cette zone à l'ancienne. Et derrière, on attaque avec la dernière zone. Les adversaires sont tous passés avant lui. Voilà, il connaît les scores. 40 points, réaliser 4 secteurs dans cette dernière zone pour aller chercher un nouveau titre de champion de France. L'avantage d'avoir gagné la qualification, c'est ça. Mais rien n'est joué, puisqu'il n'y a que 10 points d'écart à ce moment-là entre Gilles et Nicolas.
premier gros passage de la zone, un gros latéral en hauteur avec beaucoup d'engagement. On voit que c'est protégé par des matelas. Et il demande l'aide du public aussi. Il faut absolument pas qu'il fasse un échec. Il faut au moins passer avec, porte, voilà. Voilà, avec le pied. Ils l'ont tous fait, Aurélien et Gilles également. Donc là, il ne marque pas les 10 points de ce secteur, mais par contre, il peut continuer. Voilà, il peut continuer à progresser. Il sait qu'il a encore la possibilité d'aller chercher ce qui lui manque comme point. Et là, il m'a avoué que cette partie-là, qui est un peu plus d'équilibre en milieu de zone, très étroite, il avait un peu la pression. Ça passe sur la première porte. Obligé de s'y reprendre. Attention. Voilà, il est redescendu. Il n'a pas su rester en haut, mais il s'est sécurisé. Il sait qu'il a encore du temps pour remonter. La deuxième porte de ce secteur, c'est pas fini. Il faut encore remonter sur cette dernière buse en longueur pour marquer 10 points de plus. Et là, attention, l'équilibre. Il redescend pour se sécuriser. Deuxième tentative, c'est bon, ça passe. 30 points, il lui faut encore 10 points pour aller chercher le titre. Allez. Avant, c'était le petit jeune qui a fait toucher les juniors. Pris sous son aile par Vincent Hermans. Il ne cesse de progresser pour remporter son premier titre de champion de France élite. C'était en 2017. L'an passé, il a récidivé. Le deuxième de coup, c'est bon, ça passe. Et là, il se pose des questions. Et il demande, est-ce que j'ai marqué 40 points ? C'est bon, je suis champion de France ? C'est bon ? Et oui, on lui dit, il est champion de France. Après le doublé, triplé en 2019 pour l'expert, non pas de la maison mère, mais du trial, le champion de France et le numéro 1 mondial, Nicolas Vallée. Voilà, un beau triplé. On revoit l'assurage. Sa seule erreur de la zone finale. Et on va justement l'écouter, le champion de France, Nicolas Vallée. Voilà, belles images de ralenti. La joie de Nico. Plus que positif, ouais. Pour nous, c'est la deuxième vraie compétition de la saison. Je fais deux, la première Coupe du Monde, et là, j'arrive à m'imposer au Tournoi de France. C'est le troisième titre consécutif que je gagne, donc vraiment, je ne peux pas rêver mieux. Ça récompense vraiment les efforts que je fais tous les jours à l'entraînement, sur le vélo et en muscu, donc c'était vraiment super, je me suis éclaté, quoi, tout dans ce week-end. Allez, on résume. Nicolas Vallée, champion de France devant Gilles Coustelier, Aurélien Fontenoy. A noté la belle quatrième place de Louis Grillon, qui remporte en plus le trophée de France dans la catégorie 20 pouces. Ouf, des jumps de fou, une vitesse vertigineuse. Je veux bien sûr parler de la descente. Julien, l'équipe de France est la plus forte nation au monde en descente. Malgré tout, au championnat de France, bah, les meilleurs sont pas là. Malheureusement, les trois meilleurs Français et mondiaux sont absents. Loïc Bruny, Amaury Pierron et Loris Vergier qui ont fait l'impasse sur ce championnat. Ça va permettre aux outsiders de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir, mais on va commencer par le résumé de la course féminine avec là encore une absence de marque. Pompon, Myriam Nicole est blessée. On l'attend sur le retour. On attend son retour, on lui souhaite un bon rétablissement. Allez, en troisième position, la médaille de bronze pour Nastasia Jiménez, mountain bike Les Angles, championne d'Europe junior en 2018 et 2019. Ici à l'Alpe d'Huez, septième des qualifications, elle va sortir un gros run, Julien, en finale. Gros départ, ensuite des parties en prairie où il faut vraiment garder la vitesse. Quelques petites portions de repédalage. Très peu de forêt sur cette piste de l'Alpe d'Huez qui est en altitude, presque tout est au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Donc, sur la fin, il y a beaucoup de rochers. Et elle va tenir donc le troisième temps au scratch. Et elle prend en même temps le titre de championne de France chez les juniors. Preuve que la relève peut tutoyer les sommets. Anastasia Jiménez, troisième lors de ces championnats de France, devancée notamment, elle est contente en tout cas, devancée notamment par Mélanie Chapaz du Team Hop Technology. 11e lors de la Coupe du Monde au jet la semaine dernière.
troisième des qualifications. Une ligne fluide. Un petit peu de pédalage. Le travail des suspensions est vraiment très, très important. C'est vraiment, la descente est un sport mécanique. Donc il y a un gros travail de réglage en amont avant la descente. Et le run final se gagne également grâce au travail des mécaniciens, au travail de réglage du vélo. Le vélo doit vraiment épouser le terrain au maximum. On arrive sur le bas du parcours. Un petit peu de pédalage pour reprendre de la vitesse avant d'aborder la dernière ligne droite qui évidemment n'est pas droite et jonchée d'obstacles. Le jump final qu'elle va contourner comme beaucoup de concurrents. Vice-championne de France, Mélanie Chapaz, elle qui avait remporté la Coupe de France l'an passé. Une piste qui est quand même très longue, presque 5 minutes. C'est vraiment parmi les pistes les plus longues qu'on peut trouver. C'était la grande favorite, Marine Cabirou du Team Scott. Qui est parmi les meilleures mondiales. Exactement. Deux deuxièmes places en Coupe du Monde à Val-Nord et au Jet. C'est vraiment un déclic pour elle cette saison 2019. Elle veut aller chercher tout simplement son premier titre, son premier maillot de championne de France. Et elle va y parvenir en assurant un petit peu son run pour ne pas prendre de risques. C'est dire l'avance qu'elle avait sur ses adversaires. C'est jamais évident d'être favorite en descente parce que tout se joue quand même à quelques secondes et la moindre erreur peut être fatale. Même si on est favori, il faut vraiment assurer pour pas faire de faute. Championne du monde junior en 2015, quatrième des mondiaux l'an passé au pied du podium mondial. C'est dire comme elle tutoie les sommets en l'absence de Myriam Nicole en rééducation actuellement du côté de Cap Breton. Elle assume parfaitement son rôle et son statut de favorite. Des passages très propres là sur ces virages. Elle enchaîne beaucoup de pierres. Le travail des suspensions, mais le travail du corps des athlètes qui doivent essayer d'amortir au maximum avec les bras et les jambes. Et relancer dès que c'est possible pour gagner quelques petits kilomètres supplémentaires. Un gros travail physique évidemment fait en hiver pour Marine Cabirou. Elle est originaire de Millau, mais c'est sur du côté de l'Alpe d'Huez qu'elle va décrocher son premier trophée de valeur. Elle relance jusqu'au bout, hein, même après 4 minutes d'effort, elle est capable de relancer sur la fin de piste. Et à chaque fois, elle relance, c'est vrai que c'est incroyable. Elle est sur son vélo. Des appuis très solides. Passer sous la piste de cross-country. On a tendance à baisser la tête quand même. Quand on l'accompagne là, hop, un petit jump. Toujours très impressionnant ces images embarquées. Un peu style piste de ski. Recherche de vitesse, presque la position pour aborder la partie finale. Que le terrain est très sec, hein, il n'y a pas plu depuis de nombreux jours. Et il y a de la poussière, donc du coup, ça glisse beaucoup quand le terrain est sec comme ça. C'est fuyant. Et la marque à battre, c'est 4 minutes et 46 secondes pour Mélanie Chapaz. Largement en dessous le rock final. Et elle va faire plus de 10 secondes de mieux. Et le premier titre de championne de France pour Marine Cabirou. Cabirou est enfin allée au bout de son rêve et forcément elle est plus que satisfaite à l'arrivée. Marine et le Team Scott forcément contents de cette performance. J'ai fait plutôt un bon run, un peu sur la retenue pour pas aller à la faute ou avoir un souci technique sur cette piste très cassante, mais je suis satisfaite de mon run. Marine Cabirou, championne de France devant Mélanie Chapaz, Nastasia Jiménez, troisième sur le podium avec cette médaille de bronze, mais n'oublions pas hein, qu'elle brigue aussi le titre de championne de France junior. Allez, place aux hommes. Thibaut Daprela, c'est un junior sur qui
on compte actuellement et sur qui il faudra compter dans les années à venir, tant il tutoie les sommets chez les jeunes. Est-il capable d'aller chercher le titre chez les seniors? C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Vraiment. C'est le leader de la Coupe du Monde junior, hein, et de loin d'ailleurs. Très très prometteur, il domine la catégorie junior en Coupe du Monde. 4 victoires en 5 étapes. Vraiment, là c'est la relève française là, qu'on voit à l'action. Quatrième des mondiaux l'an passé et cette année, il vise tout simplement le titre. Et il sait qu'en l'absence de grands favoris, il a peut-être son épingle de jeu à tirer. Ouais, son père Régis lui a donné le goût du vélo. Et son mentor, c'est qui? Bah, c'est tout simplement Nicolas Vuillaud. Voilà, la référence de la descente. C'est vrai que du côté de Nice, il y en a beaucoup les références. On pense néanmoins également à Fabien Barrel. On voit une petite faute, hein. Il a sorti le pied dans ce virage, il a glissé, c'est bien récupéré, il a perdu trop de temps. Choisit la trajectoire haute sur ce passage-là. En tant que sudiste, il connaît bien ses parcours rocailleux, secs, fuyants. Voilà, bravo, une grosse explosivité à la relance. Et Thibaut Daprela, il était 8e à l'issue des qualifications, c'est pour ça qu'il s'est élancé avant les favoris de cette descente des Chopins de France. Super enchaînement là, on voit un jeu de jambes incroyable. On s'est propre et ça a l'air terriblement efficace. Il est en tête à l'intermédiaire. Parce qu'on a un maître comme Nicolas Vuillaud, c'est sûr qu'on pilote propre. Et parfois, hein, y a des gros gaps et on les évite. Et c'est pas forcément ce qui est le plus rapide que d'aller sauter. Voilà, position de recherche de vitesse là, quand on... Au moment où il y a trop de vitesse, on ne peut plus pédaler, on n'a plus assez de braquer, donc il vaut mieux se mettre en position de recherche de vitesse. Et 4 minutes 13 en qualification et ça va beaucoup plus vite. 2,54 le point intermédiaire. Ouh là là, il est en avance sur son tableau de marche. Il prend des risques et ce sont pour l'instant des risques payants. C'est quand même très très propre, hein. Beau pilotage du pilote Comensal. Sur la fin de piste. Il pousse totalement le terrain. Toujours en phase d'accélération. Il est très actif sur le vélo. C'est la dernière partie herbeuse. Un junior qui est en train de, pour l'instant, dominer tous les élites. C'est pas arrivé souvent lors des championnats de France. Incroyable performance qu'il est en train de réaliser Thibaut Daprela. Super saut final. Il contourne la roche. C'est certainement plus rapide de contourner. Il est presque 4 minutes 04 et 56 secondes. Ouh là 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 là, quel chrono, il vient de sortir. Oh, le junior peut être content de sa performance. Il s'installe dans le fauteuil de leader. Et là, il a vraiment réalisé un run exceptionnel d'intensité. On le voyait fatigué à l'arrivée. Son coéquipier du team Comensal, Valnor, Rémi et Thirion, le rider des Vosges. Son surnom, c'est Mitch. Et il a quand même mis un spécialiste de crossfit dans la personne de Willy George. Pilote très spectaculaire. Il est très beau à voir rouler. Il a un style superbe. Alors, petit gabarit, hein, Rémi Thirion, 1m74. Il a délaissé le 29 pouces pour revenir au 27,5. On dirait un chat sur le vélo, on voit qu'il est vraiment très agile, très souple. Deux fois champion de France en junior, en 2007, en 2008. Par la pression, parce qu'en l'absence des grands favoris, on peut dire que c'est lui le favori de cette épreuve. Il a déjà eu une médaille d'argent. Après celle obtenue en 2013, pour l'instant il est en deuxième position, il est derrière. Le junior. 81 centièmes les deux coéquipiers et l'avantage pour Thibaut Daprela. Il en reste un, Baptiste Pierron. Va-t-il pouvoir supporter la comparaison avec son frère qui avait remporté la Coupe du Monde l'an dernier? Il porte, vous le voyez, la tenue de champion d'Europe. Mais c'est le maillot qu'il veut porter, c'est surtout celui de champion de France. C'est le début du parcours, hein, qui a essayé d'être très aérien. Quatrième des qualifications. Recherche de vitesse. Soit il pédale, soit une recherche de vitesse. Pour essayer de grappiller quelques dixièmes par-ci par-là. Là, c'est un petit peu moins rapide.
que Thibaut Daprola. Et l'arrivée est proche. Et le chrono est 4-0-5-76. C'est la troisième place, médaille de bronze pour Baptiste Pierron. Et la victoire pour le junior, surprenant junior, qui va terriblement vite. Thibaut Daprola, champion de France, on l'écoute. J'ai fait une bonne descente, j'ai juste éclipsé une fois, mais bon, tout le monde a dû faire des erreurs et c'était ultra physique. Donc je suis super content d'avoir gagné. Super content d'avoir gagné, évidemment. Thibaut Daprola, champion de France devant Rémi Thirion, Baptiste Pierron, Thomas Estac, 4e, Alexandre Fayol, 5e. Allez, c'est la fin de ces championnats de France de VTT. Merci beaucoup, Julien, pour ta disponibilité tout au long de ce week-end. Merci, c'est un plaisir de suivre cette édition 2019. Des courses passionnantes, des confirmations dans certaines disciplines, des surprises dans d'autres. En tout cas, les championnats de France devraient rester dans les Alpes l'année prochaine. Oui, bah pour l'heure, on doit descendre l'Alpe d'Huez pour rejoindre les routes du Tour de France. Aujourd'hui, une épreuve dantesque. 208 km au programme entre Embrun et Valoire. Alors, à très bientôt. Merci, ciao. Ciao.